Hello tout le monde, voici une toute petite vidéo pour vous présenter l'avant et l'après de mon jardin. Alors vous allez entendre en fond les cigales, les petits oiseaux, mais aussi les ronflements de bambou que vous pourrez voir vite fait dans cette vidéo. C'est une petite vidéo intro sur l'utilisation que je vais faire de mon jardin et que je suis en train de faire, c'est-à-dire celle de la transformer en petit potager. Donc je n'ai pas commencé avec la superficie entière puisque je suis totalement une débutante. Donc j'ai fait des essais l'année dernière mais qui n'étaient pas trop réussis à part les tomates. J'ai commencé petit et l'année prochaine j'élargirai sûrement. Le but étant de produire moi-même la plupart des fruits et des légumes que nous consommons. Je vous répète que nous sommes une famille de 4. Je n'ai pas assez de superficie pour nourrir à une année une famille de 4 personnes. Mais rien que le fait de pouvoir acheter moins de tomates, moins de petits pois, moins d'haricots, etc. pour moi est déjà une grande satisfaction. Je suis consciente du fait que certains des concepts que je propose sont assez boiteux, mais parce que moi-même je suis en train de rechercher, si vous voulez, un mode de vie qui puisse me correspondre et qui difficilement se moule, si vous voulez, à une catégorie bien définie, puisque je ne peux pas parler d'autonomie puisque je ne suis pas autonome, je ne peux pas parler de survivalisme puisque je ne suis pas une survivaliste. Mais voilà, il y a des choses auxquelles je crois. Je crois au changement climatique, aux mauvaises répercussions qu'il peut avoir sur notre planète, sur notre mode de vie, parce que forcément ça aura un impact sur le mode de vie de chacun. Je ne crois pas non plus à la croissance infinie, mais je vise et j'aspire plutôt à une sobriété heureuse. Donc si vous avez lu le livre de Pierre Rabhi, ben, vous savez de quoi je parle. Et si vous ne l'avez pas lu, ben, je vous le conseille fortement. Donc je ne vais pas faire le résumé de ce livre, puisque ben, j'en serai pas capable. Hein. Mais par contre, j'aimerais bien parler de ce qui m'a apporté. La sobriété ne signifie pas ne rien avoir, mais signifie bien plus de choses. Signifie être heureux avec ce qu'on a, avoir le sentiment d'agir et de vivre dans l'éco-responsabilité. Donc l'éco-responsabilité, c'est participer à la préservation de nos ressources ou consommer moins d'énergie, etc. Donc c'est un choix, c'est quelque chose de volontaire, d'intentionnel. Je voudrais dépendre de moins en moins du système, même si je sais que ce n'est pas possible. On va dire que c'est une espèce, que la mienne, c'est une espèce d'autonomie partielle et volontaire. Je veux favoriser, privilégier les liens avec les commerçants locaux, faire des économies, mais surtout éduquer mes enfants, les éduquer à des notions, à ce que c'est le gaspillage. Je voudrais les éduquer et je suis en train de leur apprendre comment on fait pousser nos légumes. Que nos légumes ne se trouvent pas que au supermarché. J'aimerais leur apprendre, quand ils seront un peu plus grands, à cuisiner, à connaître les légumes et les fruits, les produits frais des animaux. Je sais qu'il existe des fermes pédagogiques. Leur apprendre tout simplement le bon sens, à construire et produire au lieu que d'acheter quand cela est possible, bien entendu.
Vous comprenez donc que je ne m'inscris pas dans un mouvement d'effondrement total de notre société. Je ferai ces démarches quoi qu'il en soit. Je ne suis pas effrayée par l'avenir, je n'effraie pas mes enfants. Même si je suis très sensible, comme je l'ai dit, aux mauvaises nouvelles concernant le changement climatique qui aujourd'hui se produit. Par exemple, je suis en train de réaliser un sac d'évacuation pour nous quatre puisque nous habitons en bordure de champs nus et de terrains boisés secs. Et on n'est pas à l'abri de l'incendie de proximité. Donc mon sac sera toujours pratique, il limiterait le stress et il permettrait une évacuation rapide. Ce n'est que de la prévoyance, ce n'est pour moi que du bon sens quand c'est fait avec le sens justement de responsabilité, notamment envers mes enfants. Vous avez vu dans mes précédentes vidéos que ma priorité numéro 1 concernant les actions que je pouvais faire visant une partielle autonomie ou une partielle résilience, c'était pour l'eau. Mais bien sûr, j'avance à côté de ça avec mon petit potager qui effectivement n'est pas très riche aujourd'hui. J'ai eu vachement de dégâts liés au Mistral qui nous a tout démonté. J'ai eu des dégâts à cause des gargots, des pucerons. Vu que volontairement, je ne veux pas utiliser de produits, je l'ai fait une fois pour les escargots et j'ai vachement regretté. Bah, du coup, je fais avec et certainement que bah, mes récoltes en prennent un coup puisque du coup, je partage avec les petits habitants du jardin. Il faut savoir accepter les échecs, accepter que ben en une nuit les escargots vous aient mangé une partie de vos plantes ou que le Mistral vous ait tout fait démonter, vous ait fait tout tomber. Mais voilà, ça fait partie entre guillemets du jeu. C'est seulement en faisant qu'on peut apprendre, qu'on peut avancer. Moi, par exemple, je pourrais vous faire plein d'exemples d'erreurs qu'on fait dans le potager. Notamment, vous l'avez vu, il est envahi par les courges puisque j'ai semé trop de courges au même endroit. Et du coup, elles passent même sous les tomates. Là, les tomates, vous en voyez quelques-unes, mais c'est vrai qu'on en est récolté pas mal. Ça, par exemple, c'est le bidon des patates qu'il va falloir qu'on verse pour voir si vraiment j'en ai eu et pour voir si cette méthode a été efficace comme l'année dernière. Clairement, je ne peux pas dire je suis autonome avec mon potager. Non, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il me permet seulement d'acheter moins, de consommer moins ce que je trouve au marché et de servir à ma famille des produits qui sont bio et que c'est moi-même qui ai fait pousser, c'est une grande satisfaction. Si ça vous intéresse, j'ai trouvé sur la chaîne YouTube Rustica une playlist sur comment faire un potager pour 4 personnes et là je vous partage l'image que j'ai pu prendre sur la vidéo. Et voilà, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. J'ai trouvé ça très intéressant. Ma vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, même si elle était bien courte. Je vous dis à la semaine prochaine ou dans quelques jours pour vous parler des livres, pour vous parler de l'avancée, autonomie, stock, résilience, ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Ciao!